La dernière ligne droite des campagnes pour les élections législatives prochaines est désormais enclenchée. La conquête du premier arrondissement reste l'objectif principal de Dasuki Sidi Sifou et son équipe de campagne. Ce mardi 3 janvier 2023, ils étaient au contact des populations d'Albarika et Tian. Ces populations dressent des doléances à l'endroit du candidat et promettent de voter utile. Ce quartier Tian, bien avant, est déjà gagné d'office pour répondre à toutes vos recommandations. L'eau étant la vie, nous allons demander que vous puissiez nous sauver la vie en nous donnant suffisamment de l'eau et en nous donnant également la lumière pour lutter contre l'insécurité. Nous sommes tous ici pour une cause commune. Donc nous espérons que nos requêtes soient accomplies. Nous sommes pour la même cause. Pour que le dernier aille en avant là, votant utile, bien. Occasion pour le candidat suppléant de la liste du Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale d'apporter des éléments de réponse en rappelant les pièces qu'il faut pour voter. Lorsqu'on pense au présent et qu'on pense au futur, on ne peut que penser Bloc républicain dans la 8e et dans le Bénin. Pourquoi nous parlons du présent? Ceux qui sont à la tête du Bloc républicain, ceux qui sont candidats, c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Je ne veux pas mentionner le nom de M. Sam Sédoua Dambi, ministre de l'Eau. Je ne veux non plus citer le nom de l'honorable Guadamassi. On sait ce dont ils sont capables. Nous avons pris note de vos doléances. Ce qui va être fait dans l'immédiat, vous aurez de nos nouvelles. Ce qui va être fait dans le temps, également, vous aurez de nos nouvelles. Lorsqu'on a mentionné la question de l'eau, fort heureusement, c'est nous qui détenons le portefeuille du ministère de l'Eau et des mines. Et nous pouvons donc en parler. Un projet a été lancé pour faire l'extension de l'eau dans la ville de Parakou. Ce projet est en train de prendre corps et ça doit pouvoir prendre les quartiers comme Tian. Vous ne pouvez pas aller voter si vous n'avez pas de carte d'électeur. Si vous avez les anciennes cartes, les PIB, vous pouvez voter avec. Si vous avez des cartes d'identité, vous pouvez voter avec. Si vous avez des permis de conduire, vous pouvez les utiliser. Les cartes étudiantines, les cartes scolaires peuvent être utilisées. Les passeports également. Dasuki Sidi Sifou et son équipe prennent congé des populations d'Albarika et Tian et gardent espoir de ratisser l'âge au soir du 8 janvier 2023 dans la 8e circonscription électorale.